YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et aujourd'hui, en ce début de mois, je vous retrouve pour mon haul du mois de mars. Ce mois-ci, on est encore plus dans l'abus que le mois précédent. Et c'est pas peu dire, parce que le mois précédent, c'était déjà une bonne pile à lire qui s'était formée. Mais là, on en rajoute encore plus. J'ai l'impression que chaque mois, je suis un peu plus dans l'abus. Après, il faut dire, pour ma défense, qu'on est sur des mois assez chargés au niveau des sorties et il y a pas mal d'enjeux chez les maisons d'édition et du coup c'est vrai que je reçois beaucoup de services de presse. Bon, je craque aussi beaucoup, moi, voilà, pour ça j'ai pas trop d'excuses, mais c'est pas grave, la vidéo risque de durer un moment. D'ailleurs j'ai voulu encore une fois séparer mon bilan lecture et mon haul parce que sinon on était là pendant 4 piges et ça allait me saouler, ça allait vous saouler, je me suis dit on va séparer. Je me suis pris une petite boisson parce que je pense que je vais blablater pendant un long moment. Je vous conseille de faire de même. La vidéo risque de durer un grand, grand moment puisque j'ai 40 livres à vous montrer. 40 livres! C'est bon pour vous? Dans un souci d'efficacité, je vais passer très vite sur les livres. Il y en a plein que j'ai déjà lus du coup. Je vais vous faire un avis, peut-être même un résumé assez rapide et je reviendrai beaucoup plus en détail dans ma vidéo bilan qui sortira, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore trop. Quand j'aurai le temps de filmer les vidéos, mais voilà, on va aller vite. Et d'ailleurs, on va couper l'intro ici, parce que c'est bon, ça fait un moment là. Vous avez compris, c'est un haul, il y en a beaucoup, on y va, on perd pas de temps. Premier livre que j'ai reçu au mois de mars, il s'agit de Empoisonné, que j'ai déjà prêté à une amie, parce que, Caro, si tu passes par là, on est toutes les deux hyper accro à cette saga. C'est de plus en plus cliché, mais c'est de plus en plus addictif. C'est la suite de Assoiffé, une histoire avec des vampires, des loups-garous, des créatures surnaturelles à gogo. C'est hyper original, c'est très très cliché, voilà, hein, il faut le dire. Mais tellement addictif que tu peux pas t'empêcher de lire. Et on attend chaque tome avec énormément d'impatience. Donc dès que je l'ai fini, hop, je le passe à Caro, elle le lit, on débrief et on attend le prochain tome comme le Messie. Ensuite, on enchaîne. Oui, je vous ai dit, je suis pas là pour trier des lentilles, moi. Hein. On ne peut pas perdre de temps. On y va, on enchaîne. Trois phrases et puis on passe à autre chose. On dirait qu'on est à l'armée et que je suis tyrannique. Pardon, je vais essayer de me calmer, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé une longue journée, je suis fatiguée et j'ai encore un milliard de trucs à faire. Et je me dis que si je commence à digresser comme je le fais d'habituellement, franchement, à minuit et demi, je suis encore en train de tourner cette vidéo. Donc j'essaie d'aller vite, mais je veux pas vous stresser non plus. On va trouver un juste milieu, les gars. Je disais donc qu'après ça, j'ai reçu Lightlark, que tout le monde attendait avec énormément d'impatience, moi la première. Il est sorti donc, comme vous le savez sans doute, en deux versions. Ça, c'est la version brochée. Voilà, je confonds toujours, broché, relié, donc version classique, et ça c'est une version un peu collector avec, vous savez, hardback, attendez, voilà, hardback, et bien sûr le jaspage qui est absolument magnifique. Personnellement j'aime beaucoup les deux éditions, c'est vrai que j'aime énormément la couverture de celle-ci, mais bon, là ça brille de tous les côtés, le jaspage est magnifique, et à l'intérieur nous avons des petites illustrations de l'île de Lightlark du coup, et c'est vrai que ça fait un objet livre qui est sublime. Celui-ci, je vous en ai déjà pas mal parlé sur Instagram notamment, puisque j'avais fait un partenariat rémunéré avec la maison d'édition pour le lancement. J'ai beaucoup aimé. C'est pareil, il y a des choses un peu faciles, c'est un peu brouillon parfois dans l'intrigue. Et pourtant, c'est tellement addictif que tu ne peux pas t'empêcher de continuer. Je l'ai dévoré en un temps record. C'est bourré d'action, de rebondissements, il y a des complots, des trahisons. Pour vous faire le pitch très très rapidement, en fait c'est l'histoire de 6 royaumes avec chacun des dons particuliers qui ont été maudits et en fait pour rompre cette malédiction, ils doivent se réunir tous les 100 ans sur l'île de Lightlark où ils doivent s'affronter et la prophétie dit que si un des souverains meurt, la malédiction sera rompue, levée, vous avez compris. Ça fait déjà plusieurs centennales qui sont menées, donc tous les 100 ans si vous avez suivi les centennales, voilà. Et ils n'arrivent pas à rompre la malédiction. Cette année, pourtant, Isla, qui est la jeune reine des sauvages, est décidée à rompre la malédiction. Elle a un plan de génie et bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Alliance, trahison, complot, révélation, rebondissement et petite romance, tout est au rendez-vous pour faire de Lightlark. On dirait une pub. On dirait une pub et une mauvaise pub en plus. Mais bon, vas-y, je finis quand même. Tout est réuni pour faire de Lightlark un page-turner. Je suis désolée, je sais pas d'où ça m'est venu ce petit speech commercial, mais écoutez, c'était rigolo. En tout cas, Lightlark, je pense que vous étiez nombreux à l'attendre. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Et c'est, je crois, le premier tome d'une trilogie, si je ne me trompe pas. Et vu la fin du tome 1, bah, j'ai plutôt hâte d'avoir la suite. Après ça, les éditions 404 m'ont envoyé deux petits livres qui s'appellent Lettres de l'étrange. Et en fait, c'est des tomes compagnons, ça se lit dans un sens ou dans l'autre, peu importe. C'est l'histoire de jumeaux à Hollywood et à New York. Donc chacun vit
un à Hollywood, un à New York, et ils vont mener des enquêtes avec une petite pointe de surnaturel. C'est des romans jeunesse, mais qui ont l'air vraiment, vraiment chouettes, et j'aime beaucoup en général ce que fait cette maison d'édition, parce qu'il y a toujours un côté assez ludique, à la limite du jeu de rôle, et je trouve que c'est des romans vraiment chouettes à chaque fois. Donc hâte de découvrir ceci. Ensuite j'ai reçu, et c'était une surprise de la part de la maison d'édition, donc ça m'a fait hyper hyper plaisir, les éditions HarperCollins se sont souvenus en fait que j'avais eu un énorme crush sur Sarah Morgan, et ils m'ont envoyé sa dernière parution, qui s'appelle donc À l'horizon l'amour. C'est le premier tome de, vous savez, elle a l'habitude de travailler par trois, et là en fait on suit de nouveau trois amis, et leurs aventures sur une île. Il y en a une qui est originaire de cette île, elle a une maison là-bas, et du coup ses amis vont, pour différentes raisons à chaque fois, aller sur l'île. Il y a la petite romance qui va bien, l'ambiance elle est incroyable, et du coup celui-ci je l'ai adoré parce que la romance, vraiment. Mais les protagonistes en fait ils sont tellement attachants que même si c'est lent, même s'il se passe pas grand chose, tu peux pas t'empêcher de t'accrocher à eux et de t'attacher et d'être happé. Donc vraiment j'ai adoré. Et le deuxième livre dans cette série sort je crois en mai si je me trompe pas. La couverture est aussi trop trop belle et j'ai hâte parce que c'est Sarah Morgan et qu'elle est trop douée. De la part des éditions Addictives et des autrices Emma Green, j'ai reçu Recherche Colloque. Le titre complet, c'est Recherche Colloque, emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir. Je l'ai lu entre-temps, j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Ada qui a hérité d'une maison en Irlande et elle veut la vendre, sauf que pour ça, il faut la retaper. Sauf que pour la retaper, il faut du flouze. Et du coup, elle décide de retaper progressivement et de louer des chambres pour, vous voyez, faire un cercle vertueux. Elle retape une chambre, certes, elle dépense de l'argent, mais après, elle peut louer la chambre et avoir du flouze pour retaper une autre chambre qu'elle va louer. Vous comprenez le délire ? Et pour ça, elle a besoin d'un architecte qui s'appelle Brody. J'avais oublié son nom, pourtant je n'avais pas du tout oublié le personnage parce que l'architecte est très très sexy. Et voilà, c'est une romance bien sûr, mais c'est aussi la psyché des personnages qui est vraiment très très bien travaillée. Les personnages sont très attachants. Il y a ce côté un peu farm family puisque tous les personnages qui vont arriver dans cette coloc ont des petits soucis ou des petits tocs ou des petites choses comme ça. C'est très très attachant et j'ai beaucoup aimé. De toute façon, c'est Emma Green, donc c'est une valeur sûre. Après ça, les éditions Hachette m'ont gentiment proposé de m'envoyer la série de Sophie qui s'appelle Les Enchantresses. Donc il y a trois tomes, le troisième tome vient de sortir. J'en avais entendu parler au moment de sa sortie parce qu'en plus je suis Sophie sur les réseaux sociaux, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'étais très intriguée, mais vous connaissez la pile à lire qui explose, le budget limité. J'avais pas pu craquer, donc je suis hyper contente de pouvoir les recevoir aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé de quoi ça parlait. Enfin si, j'ai vu que le premier tome, c'était une histoire de trois amies qui allaient trouver un grimoire, je crois. Un grimoire secret, et du coup elles vont apprendre la magie, donc il y a tout ce qu'il faut pour moi, hein. Sorcellerie à la française avec la forêt de Brocéliande et une amitié qui a l'air quand même assez forte. Après je ne sais pas du coup de quoi parlent les deux autres tomes parce que je n'ai pas lu les résumés pour ne pas me spoiler, mais j'ai hâte de découvrir ça, et c'est vrai que les couvertures sont hyper belles, je vous les montre rapidement, je suis hyper fan, l'ambiance que dégagent les trois est vraiment belle, ça veut rien dire non, l'ambiance que dégagent les trois est vraiment belle. Vous avez l'idée. On enchaîne. J'ai reçu de la part des éditions Rouergue Palace de Marine Carteron qui sort. Je crois qu'il sera déjà sorti du coup quand la vidéo va paraître. J'ai adoré. Voilà, je vous le dis quand même rapidement parce que ça a été un coup de cœur. Donc il faut que j'en parle dans cette vidéo, même si c'est pas une vidéo bilan, mais une vidéo haul. Vous le savez, moi je suis fan de mythologie grecque en particulier, fan des réécritures et tout ça. Et là en fait, on est sur la guerre de Troie avant la guerre de Troie. Enfin du coup on est sur Troie avant la guerre de Troie, on est sur tout le contexte qui a pu amener à cette guerre, aussi bien au niveau terrestre qu'au niveau des dieux. Puisque en fait le postulat de base c'est que la guerre de Troie, je pense, on va nous l'expliquer, a lieu parce que Athéna avait un plan de génie pour faire tomber la ville, pour récupérer la statue de Pallas, qui était donc sa meilleure amie que Zeus a transformée en statue, enfin sa meilleure amie sœur, enfin elles avaient une relation très fusionnelle. Zeus l'a transformée en statue et l'a enfermée à Troie, et Athéna n'a pas le droit d'entrer à Troie pour... Je vous passe les détails, hein, voilà, moi je vous fais un résumé. Mais en gros, c'est toutes les stratégies qu'elle a montées pour faire tomber la ville de Troie et récupérer du coup Pallas. C'est extrêmement bien écrit, vraiment, le style d'écriture, il est magistral. J'ai pas d'autres mots, c'est magistral. C'est hyper addictif, c'est une pépite, et si vous aimez Circé ou le style de Madeline Miller de manière générale, franchement vous allez kiffer celui-ci. Si vous aimez la mythologie grecque, si vous aimez les héroïnes badass, parce que là il y a plein de femmes hyper badass, franchement foncez. Et en plus il est de toute beauté. Les éditions Michel Lafond m'ont envoyé le Paradoxe d'Atlas de Olivia Blake, c'est le deuxième tome de Atlas VI. J'avais bien aimé Atlas VI, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que c'est quand même très lent, c'est très contemplatif, c'est l'histoire de six... Bah oui, j'allais dire ils sont combien ? Bah Atlas VI, Marie, à ton avis, combien qu'ils sont ?
Bref, c'est l'histoire de six magiciens, les six magiciens les plus puissants du monde qui sont recrutés par une organisation secrète et on leur explique que s'ils réussissent la formation, eh ben, ils seront intronisés dans la société secrète, ils auront accès à plein de ressources, ils seront vénérés, blablabli, blablabla. Sauf que ce qu'on leur a pas dit, c'est que bah, ils sont six, mais qu'en fait, bah, à la fin, ils peuvent pas tous passer. Donc ça se transforme un petit peu en Hunger Games, sans le côté action de Hunger Games, parce que c'est beaucoup plus politique, c'est beaucoup plus machination, complot, trahison, etc. Et c'est beaucoup plus porté sur la science, ce que je n'attendais pas forcément d'ailleurs dans le premier tome, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans celui-ci. C'est très dense, le style d'écriture est aussi très beau, mais très lent, assez compliqué. Donc voilà, il faut être préparé. Moi, quand je me suis lancée, je me suis dit « Ouais, ça va être du Hunger Games avec des sorciers !» Pas du tout. Enfin, pas trop. On est aussi dans cette ambiance un peu Dark Academia qui est vraiment chouette, très très bien faite. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même hâte de lire le deuxième tome. Et je crois d'ailleurs que c'est la fin. Je crois que c'est une duologie. J'espère que c'est une duologie, parce que sinon je vous dis des bêtises. Je me renseignerai, renseignez-vous quand même au cas où, parce que vu les bêtises que je débite à la seconde en ce moment, il vaut mieux checker. Les éditions Slalom m'ont envoyé « Je déteste les comédies romantiques », qui est l'histoire de deux adolescentes qui se rencontrent pour l'été et qui vont sortir ensemble, mais sans vraiment trop sortir ensemble, puisque une des deux adolescentes qui s'appelle Sorsha ne croit plus du tout en l'amour. Elle a vécu des expériences assez traumatisantes, notamment avec ses parents, et elle veut pas croire en l'amour. Elle dit « Non mais de toute façon, moi je ne tombe plus amoureuse », et l'autre va essayer de la convaincre. L'autre, je vais peut-être la respecter et me rappeler de son prénom, Ruby. Ruby, elle essaie de la convaincre en lui faisant vivre un petit peu tous les clichés qu'on voit dans les films romantiques, et ça fait plein de situations assez drôles, et surtout c'est des personnages très très attachants, une très belle romance, et j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance qui se dégageait du récit, c'était top. Et la couverture est évidemment de toute beauté. Après ça, j'ai reçu un paquet des éditions Rajo qui contenait trois livres. Le premier, c'était le tant attendu Fable. Celui-ci, je vous en avais parlé parce que je l'ai lu en fait le mois dernier, mais je crois que mes SP s'étaient perdus. Enfin, il y avait un problème au niveau du transporteur et du coup, je viens de le recevoir. Il est vraiment trop trop beau. Bah du coup, voilà, je vous en ai parlé dans mon bilan du mois dernier, mais j'ai adoré. Pareil, c'est assez lent. Plus lent que ce qu'on imagine, mais l'univers est incroyable, les personnages sont incroyables, les couvertures sont incroyables. Voilà, tout est incroyable, je pense que le message est clair, il faut lire Fable. Pareil pour Les Tribulations d'Esther Parmentier, je vous avais aussi dit que j'attendais le troisième tome comme le Messie, il est arrivé, je suis trop contente, ma collection est complète, les couvertures sont vraiment chouettes aussi, et pareil, c'est tellement bien écrit, c'est tellement drôle, Maëlle Desart, c'est une queen absolue, je l'adore et j'ai déjà hyper hâte de lire ses prochains romans. Pour rappel, Esther Parmentier, c'est de l'urban fantasy à la française, avec une héroïne qui est totalement décalée, qui casse tous les codes, mais qui est tellement attachante. Il y a de l'action, des rebondissements à gogo, la petite romance en mode slow burn qui te tient en haleine jusqu'à la dernière page. C'était vraiment trop trop bien. Et le dernier livre que contenait le paquet des éditions Rajo, qui est encore d'ailleurs mon marque-page puisque je viens de le finir. Regardez comme il est beau mon marque-page. C'est un champignon. J'adore. Pour info, il vient de la boutique de mon amie Soraya. Je vous mettrai encore une fois le lien de sa boutique dans la barre d'infos. C'est sa boutique Magic Think Shades qui est absolument sublime. Voilà, c'était la parenthèse. Je disais donc que les éditions Rajo m'ont envoyé un serment si noble et si funeste. Ah non, juste funeste, pas si funeste, parce que en fait ça veut rien dire, un serment si noble et si funeste. Si ça pourrait passer en... Bref, c'est le troisième tome de Un sorcier noir et éternel qui était trop trop bien. Alors le premier tome était cool, le deuxième pépite et le troisième je l'ai aussi beaucoup beaucoup aimé. Je sais pas si c'est moi qui ai un souci en ce moment, mais j'ai trouvé le début un peu lent. Voilà, j'ai l'impression que je vous dis ça pour tous les livres là que je vous présente. C'est assez lent et on est plus dans l'intrigue un peu politique, les complots, les oui mais je vais l'attaquer, oui mais en même temps est-ce que je l'attaque vraiment, vous voyez les dilemmes moraux. Mais l'univers est vraiment chouette aussi et j'ai beaucoup aimé les personnages, alors plus Grey et Liamara que Harper et Ren, mais quand même il y a une dynamique en fait entre les deux duos qui est vraiment chouette, et le premier est une réécriture de La Belle et la Bête et là on voit un petit peu des liens avec d'autres contes. Franchement, si vous aimez les réécritures, si vous aimez les univers de fantasy et si vous aimez les petites romances plutôt sympatoches, franchement foncez, la saga est top et là c'est du coup le dernier tome. Donc on a le final en apothéose et on a des réponses à toutes nos questions. Mais on a aussi quand même une ouverture, je ne sais pas si l'autrice n'a pas prévu de faire soit une suite, soit une série dérivée, je ne sais pas, mais en tout cas ça pourrait être plutôt cool. Les éditions Gallimard Jeunesse m'ont envoyé le prochain Christelle Dabos qui s'appelle Ici et seulement Ici. Je ne vais pas trop vous en parler, je vous en parlerai plus dans mon bilan lecture, mais
Il est surprenant. Moi, j'ai pas eu la passe-miroir, mais il est quand même surprenant. Et j'ai hâte de vous en reparler plus en détail, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre parce que vous êtes nombreux à être fans de Christelle Dabos, et j'espère qu'il sera à la hauteur de vos espérances, même si je pense qu'il va vous surprendre parce qu'il est vraiment différent de la passe-miroir. J'ai pas lu la passe-miroir, encore une fois, mais c'est un ovni ce truc, donc je pense qu'il ne correspond à rien, et j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Les éditions Jungle m'ont envoyé la BD Lizzie Vaudou, que j'ai du coup déjà lue et qui était très très chouette. C'est un univers de magie, bah, vaudou à la Nouvelle-Orléans. L'ambiance est vraiment chouette, les personnages sont attachants et les dessins sont vraiment beaux. Je vous montre juste cette planche là, mais regardez comme c'est beau. J'ai pas trouvé d'infos pour savoir s'il y avait une suite de prévu ou qui était déjà en cours de préparation, mais vu la fin du tome 1, je pense que ça serait vraiment chouette et je pense que c'est le début d'aventures qui vont être aussi très intéressantes. Les éditions PKJ m'ont envoyé Dans la tête de Gideon Green. Admirez mon accent. Putain, c'est vrai que j'allais faire comme ça avec mes cheveux, mais je me suis coupé les cheveux. Le boulet. Pourtant, ça commence à faire un moment, faudrait que je m'habitue, mais bref. Celui-ci, c'est pareil, je suis obligée de vous en parler parce que j'ai trop trop kiffé. Je vais faire une comparaison toute simple. Vous connaissez Véronica Mars? J'espère que vous dites tous oui derrière votre écran, parce que Véronica Mars, c'est Pépitas. Et ben en fait, ce roman, c'est Véronica Mars, mais en roman. J'ai trouvé ça incroyable comme on retrouve vraiment l'ambiance de un peu détective privé, un ado qui est plus intelligent que tous ceux qui l'entourent et ça lui porte un peu préjudice. Il y a ce côté un peu amitié, il y a une romance qui est vraiment chouette. Franchement, l'intrigue est top, les personnages sont top, tout est top. Même la couverture, elle est top. J'ai adoré et je sais que je suis pas la seule parce que c'est un coup de cœur de beaucoup dans l'équipe PKJ. Je vous le conseille à 1000%. Je sais pas ce que j'ai fait comme geste là, c'était bizarre, mais bref, je vous le conseille quand même. Les éditions Cotoon m'ont envoyé un webcomic, je crois que ça s'appelle comme ça, je confonds toujours. Franchement les gars, expliquez-moi la différence entre un webcomic, un webtoon, un comic, un manga, enfin je ne sais pas. Enfin un comic, je sais ce que c'est, mais un comics. Ne m'expliquez pas qu'un comic c'est quelqu'un qui monte sur scène et qui dit des blagues, hein, s'il vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire, on reste dans la gamme les trucs avec des images quoi. Concentre-toi Marie, concentre-toi. Ils m'ont donc envoyé The Croaking, qui est un premier tome. C'est l'histoire d'un monde en fait post-apocalyptique où on sait pas trop pourquoi, il s'est passé quelque chose et les différents clans qui constituent ce monde sont en guerre et surtout sont, enfin sont pas en guerre mais sont en bisbille on va dire, même si personne ne dit ça puisque cette expression est totalement dépassée et datée, tout ce que vous voulez. En tout cas il y a des tensions quand même entre les différents clans et ils sont surtout confinés sur une île puisque le reste du monde a apparemment disparu ou en tout cas est hors d'accès et dangereux. Ce que j'ai oublié de préciser et qui est quand même important, qu'on peut s'en douter sur la couverture, c'est que ces différents clans, c'est des hommes, mais avec des ailes. Enfin, des hommes et des femmes, hein, mais avec des ailes. Et là, on suit du coup deux personnages qui se retrouvent dans une académie de formation militaire. Et voilà. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait, il se passe ça littéralement dans le premier tome, on apprend ça. J'ai trouvé que c'était bien du coup, mais un peu trop introductif et un peu frustrant parce que tu sens que l'univers est extrêmement riche, tu sens qu'il y a plein de mystères à révéler, etc. Et tu t'arrêtes en te disant, j'en aurais voulu plus, quoi. Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le concept et les dessins sont assez chouettes, donc je serais curieuse de lire la suite. Les éditions Bragelonne m'ont envoyé une parution du mois de mai, puisqu'en fait elle a été repoussée. Ça s'appelle, préparez-vous pour mon super accent, The Second Death of Eddie and Violet Bond. Bond, rien à voir avec James, hein, quand même. Mais il n'empêche qu'elles sont hyper badass, puisque c'est deux sœurs jumelles qui sont médiums dans les années 1885, pardon, je m'emballe un peu. Et en fait, depuis que leur mère, qui était elle-même médium, est morte, elles vivent dans un, j'allais dire, un cirque. C'est pas du tout ça, c'est une troupe en fait de médiums qui va de ville en ville, qui font des numéros, etc. Et ce que ne savent pas les autres de cette troupe, c'est qu'elles, c'est des vrais médiums, et un jour, il va leur arriver des choses pas cool. Je crois que c'était mon meilleur résumé. Depuis le début de cette chaîne YouTube, c'était mon meilleur résumé, c'est sûr. C'est frustrant parce que c'est compliqué à résumer alors que l'ambiance est incroyable parce que ça parle du coup de pouvoir psychique, il y a un petit peu tout, il y a des esprits, etc. Donc c'est un peu pesant mais c'est suffisamment bien fait pour que tu sois pas en train de flipper dans ton lit mais que tu sois vraiment embarqué dans le truc. Les héroïnes, elles sont top, surtout Eddie, et la protagoniste en fait. La romance, elle est comme ça parce qu'elle est hyper bien dosée, c'est-à-dire que tu sens qu'elle est importante quand même pour l'histoire et pour le personnage, mais c'est pas elle qui détermine l'histoire et le personnage, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a ça qui est important aussi, c'est hyper féministe. Dans une époque où les femmes, elles s'en prennent plein la gueule, excusez-moi de le dire, et bah elles arrivent à s'émanciper et elles ont une manière d'aborder les choses, enfin je sais pas, j'ai adoré, voilà, c'est un coup de cœur, on peut le dire, c'est bon, c'est fait, on en reparlera dans mon bilan lecture, mais en mai, lisez-le. Ah bah non, j'ai dit des bêtises, j'ai reçu un autre paquet des éditions Rajo. J'ai reçu Elles ne sont pas celles que vous croyez, qui a été publié en partenariat avec Cosette.
Ça retrace la vie de 8 femmes célèbres, enfin oui, en général on en a beaucoup parlé, et c'est en fait une version sans filtre, sans phare et sans chichi. Je sais même pas si les mots que je sors de ma bouche et que je colle ensemble ont sens, font sens, mais Marie tu ne sais plus parler ou quoi? En tout cas ça a l'air vraiment bien, très instructif et très important, et c'est pas le premier livre dans cette collection puisqu'ils avaient déjà sorti Ceci est mon corps et Ceci est mon cœur, dont j'avais vu quand même pas mal de bons retours, donc hâte de découvrir ça. Les éditions PKJ m'ont ensuite envoyé Bad H qui sort le 6 avril je crois, bah oui chez PKJ. Chez PKJ forcément, c'est PKJ qui m'envoie le livre, et ça va pas sortir chez Nathan Marie. Encore une fois, t'es teuteux. Bref, je vous avoue que avant de demander le SP, j'ai hésité parce que le résumé envoie des vibes d'une romance assez cliché, je le dis. Mais je sais pas, la couverture m'intriguait, elle était hyper peps, je me suis dit vas-y le printemps il arrive, il va commencer à faire beau, les petites romances et tout. Et je pense que j'ai bien fait parce que les premiers retours sur le titre sont absolument excellents. Tous les partenaires le kiffent, donc je me dis, je vais kiffer aussi, j'ai hâte de le lire. Et pour faire un résumé hyper rapide, en gros, c'est l'histoire de Ashley qui est obsédée par Tyler, la star de l'équipe de football américain. Vous voyez, quand je vous dis cliché, bah, je parle de ça notamment. Sauf que Ashley, elle sait qu'elle n'a aucune chance avec lui jusqu'au jour où Cameron, qui est le meilleur ami de Tyler, lui propose en fait de l'aider à sortir avec son meilleur ami. Si en échange, du coup, elle le débarrasse de la sorcière avec qui Tyler sort. Je suis perdue déjà là, attendez, faut que je relise. Oui c'est ça, en fait Tyler il est en couple avec quelqu'un qui apparemment n'est pas cool et que Cameron, qui est le meilleur ami de Tyler, n'aime pas. Et du coup Cameron propose à Ashley de séduire Tyler pour qu'il soit débarrassé de la meuf qu'il aime pas. C'est pas un très bon pote en fait. Et si ton meilleur ami il est heureux avec sa copine, qu'est-ce qu'on s'en fout que tu l'aimes pas? Enfin je veux dire, attendez, je vais pas m'emballer. On va voir le contexte, Marie, ne sort pas les fourches tout de suite, ça se trouve elle est vraiment horrible, on verra. Et bien sûr c'est marqué, Cameron est sûr de lui, il a choisi la fille parfaite pour son ami, il lui faut juste un petit coup de pouce, il a tout calculé, blablabla. Il a juste oublié que l'amour ne se contrôle pas si facilement. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai hésité parce que je pense que ça va être assez prévisible, que ça va être un peu cliché, mais bah, j'ai quand même hâte de lire parce que je pense que c'est le genre de roman que tu lis tout seul, tu te prends pas la tête. Les petites romances adolescentes qui font vraiment du bien, il est par contre plus gros que ce que je pensais. Et en plus c'est marqué la nouvelle série événement espagnol, donc c'est vrai que le premier tome s'appelle Étincelle, donc bah à voir, après j'espère que ça va pas durer 47 tomes non plus, mais je suis curieuse de découvrir ça et j'espère accrocher autant que les autres partenaires. Les éditions Didier Jeunesse m'ont envoyé le deuxième tome de L'Empire des Femmes de Cassandre Lambert bien sûr, j'avais beaucoup aimé le premier tome d'ailleurs, en tournant cette vidéo je me suis dit tiens il est où mon premier tome et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas le premier tome. J'ai une épreuve non corrigée, toute caca, toute moche, avec pas la bonne couverture, que j'avais dû récupérer au travail, ou qui m'avait envoyé, je ne sais pas. Mais j'ai même pas la version définitive dans ma bibliothèque pour faire joli. C'est un scandale. Je vais devoir l'acheter. En tout cas, la série est vraiment cool. C'est dans une société matriarcale où les hommes ont été réduits en esclavage et où, du coup, on les fait participer à des sortes de jeux un peu à la romaine pour savoir qui sera bah, le meilleur homme à épouser, hein, clairement, pour les femmes de la haute société. Et là, on suit, du coup, le côté des femmes avec Adonna, je crois qu'elle s'appelle, oui, c'est ça, Adonna, et Elios, qui, lui, est un esclave et qui a un plan, en fait, pour bah, que la société s'effondre concrètement hein, et que les hommes soient plus traités comme des esclaves. C'est du féminisme, c'est du rebondissement, c'est la petite romance qui va bien, donc vraiment, je pense que vous êtes aussi nombreux à connaître cette série, mais j'avais beaucoup aimé le premier tome et je suis très curieuse de savoir comment ça va finir dans celui-ci. Et pour finir, last but not least, les éditions Lumen m'ont envoyé I Kissed Sarah Wheeler, qui me fait de l'œil depuis un moment en anglais, puisque c'est le dernier roman, je crois, de Casey McQuinston, qui a aussi écrit My Dear Fucking Prince, et One Last Stop, quelque chose comme ça. En tout cas, tous ces romans sont hyper hyper cute, et très très addictifs. Et là, je vais même pas vous lire le résumé, en général, vous connaissez ce livre, et au pire, Google est votre ami, mais juste la petite phrase d'accroche, elle me vend trop du rêve, c'est marqué, pour sortir avec la star du lycée, il faut d'abord la retrouver. Donc en gros, petite romance contrariée, une personne qui disparaît, et trois autres qui vont se lancer à sa recherche, ça a l'air hyper bien, et j'ai hâte de le lire. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures, et qui va pas traîner très très longtemps dans ma pile à lire. En plus, non seulement la couverture est de toute beauté, mais regardez, j'adore, j'adore franchement, et c'est bête ce que je vais dire, hein, mais c'est pas des couleurs parfaites pour le printemps ça? Ça, ça va dans une pile à lire du printemps où je ne m'appelle pas Marie. Voilà donc pour les services de presse que j'ai reçus au mois de mars, et je voulais pas préciser au début de la vidéo, mais j'ai fait la même organisation que d'habitude, hein. D'abord les SP, donc là c'est bon, on a enfin fini tous les SP que j'ai reçus. Maintenant on passe aux petits cadeaux qu'on m'a fait ce mois-ci, et après je vous montrerai mes achats. Niveau cadeau, on commence avec Super Adjointe qui m'a beaucoup trop gâtée. Super Adjointe, bien sûr, c'est Léa, vous l'avez vu dans une vidéo, j'en parle assez souvent. Et
On a cette petite tradition de se faire des petits cadeaux piochés dans notre cachette. Et du coup, quand je suis revenue de vacances, elle m'avait acheté Le rôle de sa vie de Lucy Parker qui me faisait de l'œil depuis un moment. Puisque c'est, je crois d'ailleurs, l'une d'entre vous, qui me l'avait conseillé quand j'avais fait ma vidéo sur les fake dating en me disant que c'était du fake dating dans l'univers du théâtre. Ça avait l'air trop bien, voilà, je me suis hypée. Du coup, je l'avais mis dans ma cachette et Léa me l'a offert. J'ai très hâte de le lire. Et Léa m'a aussi donné son exemplaire de Guild. Alors là, je ne sais pas trop, je pense que je vais quand même essayer de le lire, mais j'ai peur des scènes de cul qu'il y a apparemment au début et qui sont quand même assez trash. C'est pas du tout mon délire, voilà, je le dis, moi j'aime bien les romances, s'il y a 2-3 scènes, bon bah voilà, s'il y a du smut, il y a du smut. Mais là, je sais pas comment je vais réagir à ça. Après, ça reste quand même mythologie grecque en particulier, et moi j'adore ça, donc je veux quand même essayer de le lire, et Léa m'a dit que il était plutôt cool. Si on faisait abstraction de l'orgie du début, voilà, ça c'est dit. Il était cool, donc hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Je sais que sur les réseaux sociaux, on en parle énormément. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des vrais avis comme ça, tu vois. Donc dites-moi. Les 5 livres restants qu'on m'a offerts, c'est encore et toujours Cultura, puisque Lynn est adorable et qu'elle fait des tours dans ma wishlist et qu'elle m'envoie des gros colis. Et le premier qu'elle m'a envoyé, je l'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé 1 million de fois sur les réseaux sociaux, c'est un énorme coup de cœur, il s'agit du livre Le Pont des Tempêtes, que je ne peux pas vous montrer, et c'est bien dommage parce que j'ai reçu la version hardback avec le jaspage qui est sublime. Mais je l'ai aussi prêté à mon amie Caro, puisque bah, quand j'ai un coup de cœur, en fait j'ai envie qu'elle les lise, et limite je la force. Je pense qu'à un moment elle va en avoir marre de moi. Je lui dis « ça c'est trop bien, il faut que tu lises », et elle me dit « d'accord, elle est trop gentille ». Bref, je vous mets quand même la photo du livre au cas où vous l'avez pas en tête, mais sachez que c'est incroyable, j'ai trop kiffé, j'ai tellement hâte d'avoir la suite, j'espère qu'elle arrive bientôt, parce qu'on finit quand même sur un petit cliffhanger et une situation assez critique, donc il est temps d'enchaîner, très vite s'il vous plaît. Le colis de Cultura contenait aussi le livre de Titiou Lecoq qui s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé des femmes. Il est sorti il y a déjà un petit moment je crois, mais il me tentait trop puisque en fait ce que j'aime trop, bon c'est le côté féminisme aussi qui me parle beaucoup et qui m'intéresse, mais c'est aussi le style d'écriture de l'autrice qui est toujours hyper drôle, et c'est un essai du coup, un essai entre historique et question de société, mais la manière qu'elle a de présenter les choses et d'en parler, c'est beaucoup plus fun qu'un essai pur et dur, et moi c'est souvent avec ça que j'ai un peu de mal, donc hâte de le découvrir, et encore une fois il n'y a que des bons retours dessus. J'ai aussi reçu de la part de Cultura la librairie des rêves ensevelis qui va sortir en poche, et là moi j'ai reçu la version grand format chez Charleston qui est absolument magnifique. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense, enfin, je sais que tout est réuni pour me plaire, puisque ça parle, c'est un roman historique qui parle de librairie, de résilience, d'amitié et l'histoire d'un quartier pendant la guerre. Donc franchement, j'ai hâte. Le colis contenait aussi Fallait pas me chercher de Emma Green, puisque Emma Green sont les queens, et que celui-ci avait l'air trop bien, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme, je crois qu'elle est mannequin. Pas du tout. On sait pas ce qu'elle fait en fait. Je croyais qu'elle était actrice, mais bon. En tout cas, elle s'attire toujours plein d'enjeux parce qu'elle est fière, indépendante, farouche et volontaire, c'est marqué. Et du coup, son père qui s'inquiète pour elle lui impose la présence d'un garde du corps. Et voilà, donc en gros, c'est une romance entre garde du corps et la meuf qu'il est censé garder. Voilà, voilà. De leur propre aveu à Emma Green, c'est un de leurs romans les plus spicy. Donc, je sais pas trop dans quoi je me suis lancée, mais allons-y. Et enfin, last but not least aussi, lui non plus va pas traîner longtemps dans ma palle, je vous le dis. Cultura m'a envoyé Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège Darocha qui est sorti tout récemment aux éditions de Naos. Cette couverture, on en parle de cette couverture? Oh, c'est trop beau. Et là encore, on est dans la mythologie grecque. C'est marqué, elles ne pardonneront jamais à l'Olympe, les dieux vont enfin payer. Féminisme à fond, avec une pointe de mythologie, je dis oui. En gros, c'est l'histoire de Pandore qui va s'allier avec Méduse et Arachné pour se venger de tout ce que les dieux leur ont fait. Ils sont pas prêts les dieux là parce qu'elles ont pris cher les trois. Hein. Pareil, les retours dessus sont absolument excellents, je sens que je vais le dévorer. Passons maintenant à mes achats. J'ai craqué, voilà, je vous l'annonce. Je m'étais dit oui, on va être raisonnable. Non, on n'a pas été raisonnable du tout, Marie. Premier achat, mais ça c'était obligé, c'était prévu, j'ai acheté le nouveau roman de Serena Giuliano qui s'appelle Un coup de soleil. Je l'ai lu entre temps, je l'ai dévoré, je ne peux pas vous le montrer parce que lui aussi je l'ai prêté cette fois-ci à ma maman, puisque c'est pareil, elle n'a pas le choix, elle est obligée de lire les livres que je lui recommande. Je passe vraiment pour un tyran dans cette vidéo. Alors qu'en fait je suis plus comme un peu la bibliothèque municipale de mes proches, tu vois. Bibliothèque municipale, bonjour! Marie, à votre service, puis-je vous conseiller un roman? Bref, ne craque pas maintenant Marie, tu tiens le bon bout, tu arrives presque à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je racontais? Oui, du coup, il est incroyable. Je crois que c'est un de mes romans préférés de cette autrice et pourtant j'ai déjà adoré les autres.
On suit l'histoire d'Eleanor qui est femme de ménage en Italie, elle est divorcée, elle élève ses deux enfants. Donc on suit son quotidien, on suit sa rupture aussi récente avec un homme qui ne l'a pas forcément très bien traité. C'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. Et en fait, à travers les différents foyers où elle va faire le ménage, et ben on suit aussi la vie de ces foyers. Ça se lit, ça se délie, ça se touche, ça s'effleure, je ne sais pas ce que je raconte. C'est incroyable, c'est très très bien écrit, c'est drôle, il y a des situations décalées, il y en a d'autres qui sont hyper touchantes. C'est une pépite. J'ai aussi acheté, et alors là c'est très comique, je vous raconte l'histoire. Je passe en librairie, je vois ce livre qui me fait de l'œil depuis un long moment. Donc il s'agit de Fallen Academy, le premier tome s'appelle Première Année. Et c'est publié chez Teen Spirit. Et moi je le vois, je me dis yes! C'est hyper rare de trouver... Oui je me suis dit c'est comme ça, yes! Avec cette voix un peu étrange. Je me suis dit trop bien, c'est hyper rare de trouver des livres de la collection Teen Spirit en librairie. Donc moi bien sûr, je sors la CB, j'achète direct et tout. Voilà, donc je rentre chez moi, trop contente de mon achat, je me dis j'ai trop hâte de lire, etc. C'est-y pas, deux jours après, je regarde un peu les sorties qui arrivent au taf, et qu'est-ce que je vois? Ce livre, qui ressort du coup dans une édition un peu différente, la couverture est un peu moins jolie, enfin moi je préfère celle-ci perso, mais il est moins cher, et du coup il est disponible dans toutes les librairies. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe Marie? Voilà, bon après c'est pas très grave, j'espère juste que je vais pouvoir trouver les autres de la série dans cette édition là parce que moi je veux que ça matche dans ma bibliothèque, vous connaissez. Mais il n'empêche que j'ai très très hâte de lire cette histoire, c'est l'histoire justement de Brielle qui a des ailes. Apparemment Brielle elle a des ailes et elle a vendu son âme à des démons, voilà. Et puis il y a une petite romance aussi. C'est pas le meilleur résumé que vous ayez entendu non plus, on est d'accord. Mais je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Oui, bah apparemment elle va rejoindre la Fallen Academy, une école prestigieuse réservée à ceux qui habitent à Angel City pour être un ange gardien. Je ne sais pas. Je suis désolée, je l'ai pas lu, je peux pas vous en dire plus. Tout ce que je sais, c'est que sur le coup, ça m'a tapé dans l'œil. Le résumé m'a envoyé des bonnes vibes. C'est une histoire d'ange, c'est très beau et les retours sont bons, donc je me suis dit let's go. Je me suis aussi acheté deux romans en anglais, toujours chez Dime Fine Bookstore, évidemment. Le premier, c'est Last Chance Book, que j'ai du coup déjà lu pendant mes vacances. C'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans la librairie familiale. Et en fait, juste en face de la librairie, il y a une grande chaîne qui ouvre. Et l'employé de cette grande chaîne et elle vont se rapprocher, mais en même temps se détester. Ils vont se faire plein de crasse. C'est hyper chou, je l'ai lu du coup. Oui, je vous l'ai déjà dit. Waouh, tu radotes Marie, super. C'est hyper chou, c'était un peu lent, je m'attendais pas forcément à ça, mais j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance autour des livres, franchement c'était incroyable. Et cette couverture, est-ce qu'on prend 30 secondes pour en parler? Deuxième livre que j'ai acheté en anglais ce mois-ci, il s'agit de Icebreaker. Et là évidemment la malédiction a encore frappé puisque moi je l'achète, toute contente, etc. Une semaine après, la maison d'édition française annonce que bah, ils vont le traduire. Pas la première fois que ça m'arrive, je vous jure. Franchement, basez-vous sur moi. Si vous avez un doute et que vous savez pas si le livre en anglais qui vous tente va sortir en VO, regardez si je viens de l'acheter. Si je viens de l'acheter, c'est sûr qu'il sera traduit. L'annonce devrait tomber dans les prochains mois parce que ça me le fait avec quasiment tous les livres que j'achète. Alors vous me direz, oui, c'est normal, c'est parce que j'achète que les trucs hyper hypés dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux et que les maisons d'édition, elles sont pas débiles, hein. Elles achètent ceux dont tout le monde parle. Mais quand même, j'ai un sens du timing absolument déplorable. Parce que oui, j'aime lire en anglais, et oui, je peux lire en anglais, ça me gêne absolument pas, mais c'est quand même beaucoup plus chill de lire en français. C'est pas grave, celui-ci je le lirai, je pense, de toute façon, avant sa sortie en français, et c'est l'histoire du coup de Anastasia et, comment il s'appelle, le monsieur Nate, enfin le monsieur, Anastasia et Nate qui sont à la même université, lui il est joueur de hockey, elle, elle est patineuse artistique, c'est une petite romance enemies to lovers, et apparemment c'est extra smutty, donc pareil. On verra, j'espère que ça va pas gâcher mon ressenti du livre, mais j'ai craqué aussi sur la couverture, hein, clairement. Et comme je vous disais, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ça m'a énormément hypée, donc j'espère accrocher. Ça va vous? Vous tenez le coup? Moi je vais pas vous mentir, je commence à me fatiguer un petit peu là, mais on tient le bon bout parce qu'il me reste 3 livres à vous présenter. Tenez bon. Il s'agit de mes 3 achats de retour de vacances, oui parce que moi je suis revenue de vacances. Premier jour au taf, bim, la meuf elle avait déjà craqué son slip. J'ai d'abord acheté Mad Love de Alfreda Henwi puisque je n'en entends que du bien sur les réseaux sociaux. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est ma lecture en cours, enfin c'est un bien grand mot, j'ai lu 50 pages. Mais j'accroche déjà bien, j'aime beaucoup le style d'écriture, j'aime de toute façon beaucoup la manière qu'a l'autrice de créer ses personnages et les relations qu'elle met en scène. Pareil, on est sur un petit enemies to lover avec une part qui va être faite pour l'art, qui va être je pense très importante vu comment ça commence. Et j'ai hâte de découvrir ça plus en détail. Il sent hyper bon. Voilà, c'était une info importante. J'ai aussi acheté Si je dois te trahir de Ruta Sepetys, bien sûr, puisque Ruta Sepetys,
c'est la queen, en tout cas pour moi c'est la queen du roman historique adolescent. Tous ces autres romans que j'ai lus m'ont laissé en chialade extrême. J'aime beaucoup comme elle écrit, j'aime beaucoup ses personnages. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on se concentre toujours sur une partie de l'histoire qu'on connaît mal et du coup on apprend plein de choses et c'est encore plus bouleversant. Là par exemple, on est à Bucarest en octobre 89 et on est en plein dans une société totalitaire, limite dictatoriale et c'est l'histoire d'un adolescent qui doit vivre au milieu de tout ça. Les potentielles trahisons, les potentiels secrets, voilà, ça a l'air hyper touchant et j'ai vraiment hâte de lire. Oui, celui-ci, je l'avais déjà en anglais puisque mes copines me l'avaient offert pour mon anniversaire, mais la couverture était quand même moins jolie. Voilà, j'ai pas forcément d'autres excuses, je l'avoue. Et enfin, mon dernier achat et le dernier livre que je dois vous présenter dans ce haul, il s'agit de Persona de Yelena qui est sorti récemment aux éditions Hachette. Prenons, s'il vous plaît, un petit moment pour admirer cette couverture. Ça brille, c'est absolument magnifique, les couleurs sont sublimes. Et pour ne rien gâcher, le roman est absolument parfait. J'avais reçu une épreuve non corrigée au travail et je l'ai lu pendant mes vacances. Alors je l'ai lu en me disant, on tente, j'avais pas trop vu de retour parce qu'il était pas encore sorti à l'époque. Je me suis dit, franchement, tu sais quoi, on y va, on verra bien et tout. Mais coup de cœur le truc en fait. On est dans un monde de fantasy où certains enfants développent des dons et quand ils développent des dons, on les met à part et on les exploite en fait pour leurs dons. Alors, il y a des règles quand même, c'est pas de l'esclavage, mais pas très loin quand même, puisque ils sont exploités pour leurs dons, c'est-à-dire qu'on peut les louer entre guillemets. On peut dire, bah tiens, j'ai besoin de lui pour son don pendant 4 jours et hop, on paye la maison qui s'occupe d'eux. Et après, il y a toute une organisation un petit peu plus complexe et mieux expliquée que ce que je fais maintenant. Mais là, on suit 3 adolescents en particulier qui vont être engagés pour kidnapper le fiancé de la reine. Et donc, ça révèle plein de complots politiques, ça va révéler plein de choses sur leur société. J'ai trouvé ça hyper original, mais surtout très très bien fait. On est dans une société d'inspiration romaine. C'est hyper immersif, les personnages sont vraiment trop trop cool. Le concept des dons est hyper bien travaillé puisque c'est vraiment original en fait. C'est pas simplement, oui, bah il fait du feu. Non, 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 il y a plein de dons différents avec des noms bien précis. Enfin, c'est extrêmement intelligemment mené, ça ne veut rien dire non plus ça, mais vous avez l'idée générale. C'est une pépite, j'ai donné un coup à mon menton avec le livre. Le plus important c'est que j'ai pas abîmé le livre, mon menton on s'en fiche. Bref, l'autrice est hyper sympa en plus, je la suis sur les réseaux sociaux, je vous mettrai pareil son pseudo dans la description. Je vous conseille ce livre à 1000%, mais j'aurai de toute façon l'occasion de vous en reparler dans mon bilan lecture. Oui, parce que j'avais dit oui, je vous fais un avis rapido, ce blablabla, on va pas perdre trop de temps, et résultat je blablate pendant 4 piges sur un livre, donc c'est bon. Et sur ce, on a fini. Enfin, je ne vais pas tenter de mettre la pile de livres sur moi parce que bah, de toute façon, on me verrait plus et je mourrais écrasée. Donc ouais, on était sur un mois très chargé au niveau réception. J'ai aussi beaucoup lu puisque j'ai été en vacances, donc j'ai eu la chance d'avoir du temps pour lire. Je vous tourne mon bilan lecture le plus vite possible. En attendant, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu ou acheté au mois de mars. Comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, un abonnement, ça me fait toujours très très plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Bye !